Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Trait d'Union. Vous trouvez que l'Union européenne c'est trop compliqué ? Ce podcast est fait pour vous. Continuons notre série spéciale réalisée en partenariat avec Public Sénat. Je vous le rappelle, je vous donne rendez-vous deux fois par mois, le vendredi et jusqu'au 9 juin, pour des épisodes très concrets. Le 20 mars dernier, le Sénat français a rejeté l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, le fameux CETA. Désormais, le texte doit être transmis par le gouvernement à l'Assemblée nationale, c'est la navette parlementaire. Pour l'instant, on ne sait pas encore quand il le fera. Mais dans cet épisode, je voudrais qu'on se projette. Et si l'Assemblée venait à rejeter le CETA à son tour ? Je pose la question parce que c'est plutôt probable. Que se passerait-il ? Et est-ce que tout s'arrêterait ? Et puis, autre question, pourquoi est-ce que le CETA est déjà mis en œuvre alors que tous les pays ne l'ont pas ratifié ? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode avec l'éclairage d'Alan Hervé. Il est professeur de droit européen à Sciences Po Rennes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, posons quelques bases parce que c'est important pour bien comprendre la suite. Pour bien fonctionner ensemble, les États membres ont défini des domaines où l'Union européenne peut agir seule. En leur nom, les lois se font au niveau européen. Et il y a d'autres domaines où ils gardent la main. Le commerce international, c'est une compétence de l'Union européenne. Ça veut dire que les États lui ont transféré une sorte de souveraineté, et ça depuis très tôt, depuis les années 50. C'est elle qui gère. L'Union européenne négocie des accords commerciaux et les États ne négocient plus ces accords-là. Ceci étant, il arrive que quand elle négocie des accords, l'Union européenne, avec un partenaire, les matières qui sont couvertes par les accords débordent le champ des pouvoirs qui lui ont été transférés. Et c'était, pour faire simple, un petit peu le cas s'agissant du CETA, enfin c'était le cas, notamment parce qu'il y avait un chapitre sur la protection des investissements qui relève d'une compétence qui est partagée entre l'Union et ses États membres. Et la conséquence de cela, c'est que la ratification du CETA ne pouvait intervenir qu'après une conclusion de l'accord par l'Union européenne, mais aussi par les 27 parlements nationaux des États membres. Donc en clair, on a une grosse partie des chapitres qui concernent le commerce international, compétence de l'UE, donc ça se gère au niveau européen, et puis un chapitre, le numéro 8, celui sur la protection des investissements notamment, qui est un sujet sur lequel les États membres gardent la main, et sur ce chapitre-là, il faut demander leur avis aux 27 parlements nationaux. Une fois qu'on a tout ça, le CETA est officiellement validé. Mais ça n'empêche pas, en attendant, de commencer à l'appliquer dans les domaines validés par l'Union européenne. C'est ce qui a été convenu en 2016. Au moment de sa signature, c'était en octobre 2016, les États membres et la Commission ont convenu de la possibilité d'appliquer le texte à titre provisoire, ce qui est rendu possible par les traités européens qui prévoient la possibilité d'appliquer des accords internationaux de l'Union européenne à titre provisoire, en attendant en principe que les procédures de ratification aboutissent. S'agissant du CETA, pour être bien précis, en fait, ce qui est appliqué à titre provisoire depuis le début de l'année 2017, ce sont les chapitres de l'accord qui relèvent de la compétence exclusive de l'Union en matière de commerce. Donc, ce qui relève en fait de la compétence partagée UE-États membres, ça, pour l'instant, ça n'est pas appliqué, notamment le fameux chapitre sur la protection des investissements et sur les tribunaux d'arbitrage. Mais le reste de l'accord est appliqué à titre provisoire, et le provisoire dure puisque ça fait maintenant près de 7 ans que cet accord est appliqué, même plus de 7 ans. Comme les ratifications prennent en général du temps, et ça se vérifie, ça permet d'avancer, notamment sur les sujets où on a déjà topé. Quand je dis que ça prend du temps, imaginez-vous que depuis 2017, il n'y a que 17 pays sur 27 qui l'ont ratifié.
Le travail reste à faire pour la Belgique, la Bulgarie, l'Irlande, l'Italie, Chypre, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et bien sûr la France. Alors c'est effectivement long, même s'il y a eu d'autres applications provisoires dans les accords commerciaux de l'Union. Par exemple, il y a un accord avec les pays de la Caraïbe qui est appliqué provisoirement depuis 2008, donc ça fait encore plus longtemps. C'est quand même long pour le CETA. Et alors pourquoi cela? Ça s'explique par le fait que cet accord, dès le départ, a été assez controversé. En 2016, il y a eu plusieurs États qui ont exprimé pas mal de réticences quant à ce texte. Ça a été le cas en France et en Allemagne notamment, mais aussi dans d'autres États membres. Je pense en particulier à la Grèce ou encore à la Bulgarie, la Roumanie, à chaque fois pour des raisons différentes. Et puis aussi à la Belgique, pour des raisons internes en fait, parce qu'il y avait certaines collectivités locales, notamment la Wallonie, qui s'étaient opposées au texte. Pourquoi ces oppositions? Parce que dans le chapitre qui doit être ratifié par les parlements, le numéro 8, il y a un point qui fait sacrément polémique. Et ce point polémique crée la possibilité d'instaurer des tribunaux d'arbitrage qui pourraient être saisis par des investisseurs contre des États. En gros, un investisseur canadien pourrait attaquer un État européen en justice. Et ça, c'est une question qui est très sensible, très polémique, et qui fait que, notamment en France, je pense qu'il y a eu des hésitations de la part du gouvernement à soumettre ce texte à l'approbation du Parlement. On comprend donc pourquoi les États ne sont pas bien pressés pour ratifier. Mais donc, posons-nous la question. Qu'est-ce qui se passerait si l'Assemblée nationale rejetait le chapitre 8, comme l'a fait le Sénat? Ce n'est pas une hypothèse qui est vraiment envisagée par les textes. Ce qu'il en ressort, c'est que finalement, si un État rejette le traité, il n'y a pas de ratification conjointe. Et donc, on peut continuer potentiellement de l'appliquer à titre provisoire et puis de ne pas l'appliquer pour ce qui relève des compétences partagées. C'est d'ailleurs un peu ce qui est en train de se passer en ce moment. Car un pays a déjà voté contre, Chypre. Mais il n'a pas transmis sa décision aux institutions européennes et n'a aucun ultimatum pour le faire. Donc pour l'instant, on continue d'appliquer le CETA à titre provisoire, mais sans le chapitre 8. Le problème, c'est que c'est pas vraiment ce qui était censé se passer. Ce dont je viens de vous parler, c'est ce qui est prévu pour n'importe quel accord de libre-échange. Mais pour le CETA, il a fait tellement polémique en 2016 que les États membres ont pris des engagements supplémentaires, ce qu'ils ne font pas d'habitude dans les autres traités. En fait, il faut se remettre dans le contexte de 2016, donc d'octobre 2016. Au moment de signer le texte, je vous ai dit, il y avait énormément de tensions parmi les États membres, notamment parce que en Allemagne, il y avait un recours devant la Cour constitutionnelle allemande. Il y a eu aussi, quelques temps plus tard, un recours devant le Conseil constitutionnel français. Il y avait des tensions fortes également en Belgique, etc. Et donc, ce qui a été convenu pour un peu surmonter ces désaccords, ces tensions, c'est de dire, on va faire une série de déclarations qui vont accompagner notre signature. Donc, les États membres ont accompagné la signature d'un certain nombre de déclarations. Et parmi ces déclarations, il y a la déclaration numéro 20, donc qui accompagne l'acte de signature du CETA, où il est dit en substance que si un État membre en venait à rejeter le CETA, et si le gouvernement de l'État membre notifie ce rejet aux institutions de l'Union européenne, alors l'application provisoire devra prendre fin. C'est une déclaration politique qui a été faite au moment de la signature du texte. Cette déclaration politique, elle a une valeur politique. Elle a une valeur politique, elle n'est pas véritablement contraignante juridiquement. Mais elle a quand même une valeur politique. C'est-à-dire que normalement, les promesses engagent ceux qui les font. En l'occurrence, elles semblent engager surtout ceux qui y croient, puisque ça a été le cas à Chypre, il y a eu un rejet de la ratification parlementaire et le gouvernement chypriote n'a, semble-t-il, pas jugé utile de notifier ce rejet aux institutions de l'Union, c'est-à-dire de leur communiquer, et les institutions de l'Union n'ont pas donné suite en fait à ce rejet parlementaire. Donc finalement,
Contrairement à l'esprit de la déclaration, rien ne s'est passé. Et la même chose pourrait se produire si y avait un rejet de la part du Parlement français. Alors, tout de même, il me semble que politiquement, ça serait assez délicat pour le gouvernement français d'ignorer complètement un tel rejet. Et je pense que c'est pour ça que le gouvernement est très gêné et fait tout pour éviter que cette question soit inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Normalement, un rejet d'un des 27 parlements devrait faire tomber tout l'accord de libre-échange. Il y a quand même cet engagement politique, mais pour l'instant, il n'est pas tenu. Avec le temps, on oublie les garanties qui avaient été données, hein, même si c'était c'était pas la majorité actuelle, c'était sous François Hollande, etc. Mais c'est dommage en termes de parole politique, ça décrédibilise aussi de futures déclarations qui accompagneraient la ratification des accords, par exemple peut-être avec le Mercosur, ou de futurs engagements des États membres. C'est sur ces paroles que cet épisode se termine. Merci à Alan Hervé, qui est professeur de droit européen à Sciences Po Rennes, je le rappelle, pour son éclairage précieux. Je vous rappelle aussi que cet épisode fait partie d'une série spéciale en partenariat avec Public Sénat pour vous décrypter les élections européennes. Je vous donne rendez-vous deux fois par mois, le vendredi et jusqu'au 9 juin. À très vite !